Famille, les choses se passent ici dehors. Il y a des cas. Voilà notre tonton aussi qui a la une des réseaux sociaux. Et pourquoi? C'est de ça que nous allons causer dans cette vidéo. La famille, les choses se passent. Notre tonton préféré explique son histoire. Que depuis 5 ans, il est dans une même maison avec la mère de son enfant. Ils sont même mariés. Et la mère de son enfant dit que le loyer, c'est 800 quelque chose. Et lui, il paye tous les mois parce qu'il travaille. Un jour, comme on dit souvent que 99 jours pour le quoi, un seul jour pour le grand patron. Voilà alors, il était à la maison, sa femme n'était pas à la maison. Voilà que, on les appelle quoi? Les gens qui travaillent à la poste là. Il vient avec un courrier. Voilà le monsieur en question qui prend. Il ouvre la lettre. Moi-même, je demandais comment est-ce qu'un monsieur doit ouvrir la lettre de sa femme? Parce que, à l'heure, là, moi, je vous dis, il est bien vrai, ce sont des mariés et tout, mais ici, dans le pays que je vis là, c'est souvent préférable que quand tu vois la lettre de ton partenaire là, mets ça à la table. Dès qu'elle vient là, elle doit ouvrir sa lettre. Mais voilà notre tonton préféré. Il était tellement curieux le jour là de regarder. Mais c'est quoi ça? C'est là-bas que ses yeux se sont écartés. Il dit que ça, c'est digne d'un film nigérian. La famille, écoutez la vidéo et je vous reprends après pour dire ce que j'en pense. Ici, tout le monde, on sait plus que les hommes payent pas maison. Les hommes payent pas maison. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, je vivais dans ma colocation tranquille au calme. J'ai vu la go, on s'est marié. Quand on s'est marié, il dit, il n'est pas resté dans la colocation. Quand il lui a dit que j'ai venu vivre avec elle, on a parlé tranquille, j'ai venu vivre avec elle. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis venu, elle m'a dit, la maison là, elle paie à 860 euros. 860 euros, avec toutes les charges. Elle paie à 860 euros. Elle m'a dit, qu'on dit, c'est un musulman, elle est musulman, je suis musulman, je m'appelle Bakari. Elle m'a dit de payer la maison. Moi, il doit payer toutes les charges. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Ben, si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, j'ai laissé ma colocation, parce que j'ai les deux maisons. C'est pour ça qu'elle est déménagée chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Elle me dit d'attendre un peu, qu'elle a des choses à faire, elle a réglé ça. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Depuis 5 ans, je paye 860 euros. Des fois, il me dit, à 10 euros qu'elle est montée. Des fois, il me dit, à 15 euros qu'elle est montée. Il dit, c'est pas grave, il paye. Je lui donne 300 euros chaque fin de mois pour sa copote. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison, quittance, elle m'a jamais présenté quittance de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison. Je ne vois pas quittance. Vous avez compris? J'ai trouvé avec 2 enfants. On a eu un enfant. Depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qui sont dans la maison. Dieu merci, je suis arrivé. Je trouve le facteur, il vient me mettre enveloppe dans le cou, dans le cou, dans le truc de la boîte. Hé Dieu, j'ai tout mal. Je trouve le gars de la poste, il veut déposer courrier dans la boîte là. Il lui a dit que c'est dans la boîte. Il m'a donné le courrier. J'ai ouvert le courrier. J'ai vu ce courrier de la maison. J'ai ouvert le courrier. La maison là, on paye 310 euros. 310 euros. Moi, je paye 860 euros depuis 5 ans. Souvent 875, souvent 870. Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de me déclarer. Elle n'a jamais voulu me déclarer. Jamais elle m'a déclaré. Toujours quand elle prend des déclarations, elle m'envoie les discours, façon, on dispute. Ça devient balade dans la maison. Donc j'ai laissé tomber au calme, je suis là, il veut au travail, il fait ce qu'il peut faire dans la maison. Voilà le bulletin qui est là. Voilà quittance de maison. Quittance de maison, je paye 300 euros. Quittance de maison. Alors que tous les mois, je paye 860 euros. 860 euros. Comment vous voyez ça? Mon calme. Il y a une pause de ma vidéo, elle est descendue pour citer la poubelle. Lui, quand c'est là-bas, on est quelque chose m'a envoyé. J'ai soulevé le lit, c'est là qu'il a vu. Tous les courriers de maison, il est pris. Voilà courrier. J'ai commencé à fouetter le courrier. Voilà, attendez. Elle arrive. C'est elle qui a la porte là. C'est elle qui a la porte là. Allô, bébé? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on me dit ça? Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Il a été dit ça. C'est pas grave.
la quittance. C'est la quittance de où? De la maison. Quelle maison? Et il t'a donné ça. Maman, tu te demandes c'est la quittance de quelle maison? Maman, il te demande, c'est la quittance de quelle maison? De la maison? De quelle maison? Tu as prouvé à quoi même? Pourquoi il a prouvé à quoi? Non, il te demande. Mais tu fais cette quittance de maison? Mais de quelle maison? Moi, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? Faut lire le nom. Je ne sais pas. C'est quel nom qui est cette quittance? Ah, mais toi, tu sais le nom, faut lire. Mais moi, il te donne, il dit, c'est quoi? C'est quoi que tu dis? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toi, tu m'as dit que les maisons ont payé combien? C'est où ils sont? C'est combien qui est écrit sur le papier là? J'ai regardé tout ça. J'ai vu tout le courrier là. J'ai vu tout le courrier là. Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Ça fait 6 ans qu'on vit ensemble. Tous les jours. Non, tu ne me parles pas comme ça. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tous les jours, je te dis dans la maison, il faut me déclarer. Tous les jours, qu'est-ce que tu me dis? Quand tu dis, il faut me déclarer sur la maison. Tu me dis non, Dathan, tu as ça, tu as ça. Pourquoi est-ce que je suis obligé de déclarer? Donc, tu n'es pas obligé de me déclarer. Je ne suis pas obligé. Donc, moi, il est venu, je suis dans la maison, moi, il va travailler, il paye sûrement la mais maison. Mais ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Mais c'est combien je paye la maison là? Je paye 860 euros. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon, la maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800 euros. Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur une facture, c'est combien quelqu'un? C'est que sur la maison, elle fait 800. Je t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 800 euros, 860 euros. Oui. Mais nous on paye comme échange de moi. J'ai dit c'est 800 la c'est maison. C'est 300 qui est là, 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte 800. Pour aller, il a fini, je suis dans la maison, moi il a travaillé, il paye sûrement la mais maison. Mais ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? C'est combien je paye la maison là? Je paye 860 euros. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon la maison est combien? La maison est 800 non? Mais c'est 800 euros. Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur une facture, c'est combien qu'il y a? C'est bien sur la maison, elle fait 800. Je t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 800 euros, 860 euros. Oui. Mais nous, on paye comme ça, c'est moi. J'ai dit c'est 800 la c'est maison. C'est 300 qui est là, 300 qui est là. Mais même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Donc toi, tu es devenu bailleur maintenant quoi? C'est bien sur c'est 800. Moi, je te paye 860 euros. Toi, tu payes 300 et 15 euros à bailleur. Tu payes 300 euros à Galère. Moi, je te donne 800 euros. Je te donne l'argent encore pour papa. Moi, j'ai mal à la tête. J'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 euros. C'est 800. C'est 800 le bail. Attends. Tu joues avec ma gamme. Oui. J'ai l'air de m'amuser. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Tu me fous pas de toi? Mais si tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule. Les factures sont là, toutes les factures sont là. Je te donne. Toutes les factures, oui, je te donne tout. Après, si mon nom, ni si mon nom, ni si mon nom, c'est écrit combien dans la facture là? 310 euros, 320 euros. Qu'est-ce que tu me dis? Mais tu sais pourquoi tu fuis derrière moi? Pourquoi je ne fuis pas? Tu fuis derrière moi, mais pourquoi je ne fuis pas? Tu ne donnes pas ce droit là. Je ne donne pas ce droit là. Mais tu es malade, tu ne donnes pas ce droit. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Le virement, ça passe chez moi, non? Tu me donnes les 800, c'est tout? Ça s'arrête là? Tu me donnes les 800, ça s'arrête là? Donc moi, il te verse 800? Alors que la maison est 300. Mais la maison est 800. C'est moi qui la campe, mais la maison est 800. Est-ce que je suis obligé de dire que la va prendre? Je suis obligé de me déclarer. Je ne suis pas obligé. Donc, moi, c'est 300 qui est là. 300 qui est là. Mais même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Donc toi, tu es devenu bailleur maintenant, quoi. C'est quel souci, c'est 800? Moi, 800. Moi, je te paye 860 euros. Toi, tu payes 300 et 15 euros à bailleur. Tu payes 300 euros à bailleur. Moi, je te donne 800 et 15 euros. Je te donne l'argent encore pour proposer. Attends, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 euros. C'est 800. C'est 800 le bail. Attends, tu joues avec ma gamme. Oui. J'ai l'air de m'amuser. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Tu me fous pas de toi? Mais si tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule? Les factures sont là, toutes les factures sont là. Toutes les factures. Oui, je te donne tout. Avec Simon, ni si le nom, ni si le nom, c'est écrit combien dans les factures là? 310 euros, 320 euros. Qu'est-ce que tu me dis? Mais tu sais pourquoi tu fouilles derrière moi? Pourquoi je ne fouille pas? Tu fouilles derrière moi. Mais pourquoi je ne fouille pas? Tu n'as pas ce droit là.
Je n'aime pas ce droit-là. Mais tu es malade, quand même. Assieds-toi, maman. Assieds-toi, maman. Le violement, ça passe chez chez moi, non. Tu me donnes 800, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu me donnes 800, ça s'arrête là. Ton mari te verse 800 alors que la maison est 300. Mais la maison est 800. C'est pas bien. Puisque tu me sois les comptes à l'âme, tu ne déclares pas de la maison. J'ai quitté ma colocation quand il venait chez toi. N'est-ce pas? Il t'a dit qu'il pourrait payer la guille. Maintenant, il est payé chef de moi. 800 et quelques euros. Tu me prends combien pour ton compte? 350 euros. Ça, c'est moi. Donc, alors que la maison fait 300 euros. Donc, c'est moi qui suis maudit. C'est ça? Donc, c'est moi qui suis maudit. Ça veut dire que c'est moi qui suis maudit. C'est ça? Je ne sais pas, c'est moi qui suis maudit. Non, mais moi, je suis maudit. Ils sont obligés de te déclarer. Ils sont obligés de te déclarer. On vient ensemble, c'est tout, ça s'arrête là. Ça va être un signe. Nous, c'est le jour où on va aller à Savary. On va faire un signe, Savary. Pourquoi m'énerver? Non, c'est bon. C'est pas en fait. Moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais prendre mes bagages. Tu vas aller où? Moi, je vais prendre mes bagages. Moi, je pense que c'est le mariage au fait. Moi, tu vas te marier? Non. Moi, mon rôle d'homme, c'est de veiller sur vous. Mais je ne sais pas que toi, tu pourrais me voler pendant 5 ans. Tu me voles. Ok, 300, je paye 860 euros. Le reste, là, pour maintenant, c'est 300 euros. Supposons que ça, ça ne prenait pas. Toi, ça allait faire quoi? Tu allais payer, non? Donc, si la carte paye là-haut, toi là, l'argent que carte donne là-haut, c'est pour toi et moi et les enfants, ou bien c'est pour toi seul? Ça, c'est pas le sujet. Donc, ce que carte prend comme ça part et appelle, donc, toi qui ne dis pas ça là, moi je paye ça encore. Moi je paye, la carte prend ça pour nous aider, pour qu'on puisse en sortir. Moi je paye encore. Moi je paye 860 euros, toi tu donnes 300 euros. Laisse-moi parler s'il te plaît. Toi qui payes 300 euros pour telle maison, moi je paye 860 euros. Donc chaque mois, toi tu me vends 350 euros. 360 euros. Chaque mois, tu me vends 360 euros. Et puis tu es fier de ça. Donc, à quel prix? Moi, je vais payer. Aïe. Non, comment tu payes? Moi, je discute plus avec toi. Je vais plus avec mes détails. À quoi je vais payer? Non, tu n'as qu'au fou le nez. Qui est extrêmement lié? Moi, je ne savais pas que oui, toi qui veux profiter de moi. Mais tu n'as pas un sac de quoi? Oui, il est parti. Moi, il est parti de 760 euros. Tu es une femme voleuse. Voilà, il est voleuse. Il te mourra la main. Voilà, il te mourra la main. C'est pas grave. Il te mourra la main. C'est pas grave. Mais Allah le sera. Allah le bénisse. Ça, c'est un buzz ou bien ça, c'est la réalité, maman. Hey, il dit que notre tonton préféré. Je vais d'abord commencer avec lui avant d'aller sur sa femme. Parce que vous connaissez, quand quelque chose se trouve déjà sur les réseaux sociaux, non, maman, chacun met que la bouche ta. Hey, c'est ça, les réseaux sociaux. Donc, pour notre tonton préféré, alors, je vois comme s'il n'avait pas confiance à sa femme. Vous comprenez, non? Parce que s'il avait confiance à sa femme, je ne pense pas qu'il devait ouvrir cette lettre. Donc, ça veut dire, peut-être qu'il vivait avec sa femme comme cela. Quand il payait le loyer, il disait seulement que, ah, est-ce que c'est vrai que le loyer, si c'est comme ça, est-ce que, jusqu'au jour que Dieu a ouvert ses yeux, ok? Donc, d'une part, moi, je me dis qu'il n'avait pas confiance à sa femme et qu'il n'est pas quelque chose de bien. Voilà, d'une part aussi, Dieu l'a aidé à voir la réalité. Du côté de sa femme aussi maintenant. Ah, tantine, toi-même, tu as fait fort, oui. Parce que je sais que nous, les femmes, non, nous sommes dedans, oui. Mais prendre jusqu'à 500 euros, là, maman. Yeah, tu n'as même pas pitié du père de ton enfant. Hé, il dit que ça, c'est le higher level. Parce que si on disait que non, il donne même 500 euros, tu prends tes 150 euros tous les mois, tu gères, ou bien tu gardes, ou bien tu cotises, ou bien tu fais quoi. Mais, tu regardes un homme qui est le père de ton enfant sorti tous les jours, il va travailler là. Tu prends 500 euros, maman. Yeah, tous les mois. Hey, fois 5 ans, ça fait combien? Ah, merde. En tout cas, nous